février 2021, pour un décret spécial. Côté que nous allons voir, il y a un ensemble de points dont homicide, policier Okaela, Okap, pardon, bilan partiel carnaval 2021, également situation de troubles à l'ordre public pendant 2 jours au niveau Carrefour, et tout, nous allons parler tout de kidnapping. Non? On a commencé pour nous dire à notre ça, côté que hier, la police nationale a perdu un policier. C'est le policier Prophète Abdias, 27e promotion, qui était affecté dans le front Wanamek, côté que livre en balle. Et selon le premier élément d'information, ce n'est pas dans ce travail. Pour le moment, comme à la coutumée, nous ne pouvons pas appeler à anticiper. Gagné au niveau investigation au cap haïtien qui justement a un premier élément d'information. Et concernant tout, policier de Swatland qui était perdu la vie, policier Anosa Patrick, 25e promotion qui était affecté dans Swat, côté qu'il était perdu la vie lors du mouvement 509 jours, on a dit que le 10 août passé à là, qu'il y a une autopsie cadavre qui fait. Et direction générale de la police nationale là, a planifié funérailles policier Anosa Patrick, 25e promotion. Concernant le bilan partiel carnaval 2021 au niveau port de paix, il y a 14 interpellations qui faites, dont une pour détention ZAM, c'est Jonel Kennel. Nous recensons tout, plusieurs personnes qui sont blessés. Et il y a l'autre tour, c'est suite à des malaises au niveau stand, même au niveau parcours là, côté que pratiquement ambulance et santé publique découvrent avec la police l'événement ça. Nabdi, je vais prendre pile disposition. Les gens nous parlé avant carnaval là, côté que tu gagné environ 1500 policiers qui mobilisés pour sécurisation et festivité ça. Heureusement, nous pas enregistré pour nous mourir. Heureusement. Et direction générale d'Ato a profité tout, antenne la presse qu'il a pour que nous féliciter Moun Port de Paix qui a eu un comportement vraiment exceptionnel côté que toute bagarre qui est passée dans l'ordre et dans la discipline. C'est certain que il y a des cas où on a un carnaval, culturellement, il y a des frappés et malheureusement, nous recensons quelques cas de blessures légères. Et concernant au niveau Carrefour, quoi, concernant les troubles à l'ordre public, et comme nous connaissons déjà, pour la population en zone, non, et a demandé libération de policiers qui étaient affectés avec juge nickel. Côté que bon mémoire d'homme qui a joint le commissariat. Côté que vous m'avez dépoussé pour vous saisir. Parce que l'information a fait pour les policiers qui avec qui vous vivez dans la zone, pour vous saisir et l'inspection générale, pour côté Paris, les ouvrir une enquête administrative au niveau de l'inspection générale, je ne vous dis. Et concernant le cas de kidnapping, nous recensons plusieurs cas de kidnapping. Il m'a gâché plan, exactement comme on a dit combien pour le moment. Mais nous recensons. Et on a dit encore une fois, la police n'a pas écarté de responsabilité et pas dédouané de responsabilité. Nous sommes conscients du problème là, et le problème là, pratiquement la réalité, et presque chaque jour. Et on a dit encore une fois, la population a gagné un rôle pas pour jouer. Et ça fait que nous disons, dans le cas ça, qui ouais à kidnapping également insécurité, chaque monde dans la population c'est un policier qui est. À savoir, si on a un passé, il faut que lui-même tout soit capable et au fond des forces de ça, pour des groupes chez responsables, la police part et dans les points l'eau. Mais tout, nous te dit ça, les kidnappés sont côté qui appelle, sont côté séquestré. Et côté qui est séquestré là, il y a des gens qui ont fait la donne. Nous demandons
pour yo poté coller son tête ensemble pour nous combattre phénomène ça également phénomène qui vient pour être insécurité parce que les cas de kidnapping enregistrés c'est de monde c'est de famille qui victime et il y a des conséquences directes sur population et c'est ça qui crée des paniques et nous devons tout les bons cas de kidnapping dans zone rapidement nous devons gagner par les 4% de la guerre. Nous comprenons encore une fois la population de comportement ça et nous encourageons pour veiller avec la police nationale pour ensemble si cas ça fait le bon monde ou elle que le bon monde va la belle. Je pense que la population est capable de parler dans la route et pour la police même capable de faire intervention. C'est certain que nous devons vivre là ou nous ne pouvons pas pour que si on mette la police plutôt pour nous voir, mais nous capable de faire. Et discrètement, et pour que nous-mêmes nous capables de faire travail. Nous avons avec nous là un nouveau porte-parole adjoint de la police nationale. Une habitude avec lui, c'est l'inspecteur Dijonnaire Ferrier Marie Michel qui déjà prêté service lui au niveau inspection générale. Côté que direction générale là, il y a relé pour venir en bas pour que lui-même soit capable de sourire tout fonction ça, c'est porte-parole adjoint de la police nationale. Alors, c'est ensemble de points ça que nous avons fait, nous avons spécial ça. Nous, maintenant, capables qu'on a 1, 2, 3 questions. Ok, Jean-Daniel Sénat pour le nouveau ministre Magic 9. Nous sommes pas parole pendant la commencement de semaine, nous avons appris que les bandits de la ville de notre contrôle sur le commissariat de la ville. Qui est-ce qui fait depuis ça? Est-ce que nous avons contrôlé le commissariat? Tout à l'heure, nous avons annoncé que le secteur général de la police a enquêté. Est-ce que la enquête est sur les policiers qui étaient accompagnés, juges et la Ouézé ou bien participation policière dans la manifestation Carrefour? Pour kidnapper, ou annoncer que nous recensons plusieurs cas, qui est-ce qui explique que malgré diverses annonces que nous faisons, que nous allons prendre contrôle ou mettre fin avec le phénomène de kidnapping, mais jusqu'à présent, le phénomène a continué dans le régime de mon pays. Tout d'abord, nous ne pouvons pas dire que la police, à la vérité, il est présent de tous côtés. Il va dans chaque espace, dans chaque corridor. Et ça fait nous dire que nous engager la population, mobiliser la population comme policiers et dans la question qui est à insécurité, également à la question de kidnapping. C'est tout à fait, c'est signe que nous parlons peut-être ensemble, c'est pas une synergie entre la police et la population, c'est certain que nous n'avons pas eu de solutionnel. Et ce n'est pas la police simplement qui l'a pour solutionnel, parce que je nous dis, nous ne pouvons pas écarter le problème, nous nous disons que c'est une question effective, oui c'est ça, mais tout, parce que la population est tout, bon côté pas de rien et voilà les toujours. C'est certain que nous lançons plusieurs appels, côté que nous demandons collaboration, c'est certain que nous faisons une collaboration avec la population, mais nous demandons encore plus pour que nous veillions à chaque fois que nous avons réalisé une situation drôle qui a passé, soit dans la caillou, ou bien une machine qui campait pour nous, pour y aller avec lui, nous pensons que la population est capable de nous lancer ça, à savoir faire coucou rouge des machines ça, pour que nous soyons capables d'arriver. Faire travailler au niveau de la police nationale et sûr, ensemble avec la population. Concernant les policiers, c'est les policiers, j'aime dire, qui sont affectés dans la sécurité, vigilants, côté de la population au niveau Carrefour, c'est pratiquement fait deux jours après demander libération. Et là, il est au niveau de la justice, mais au niveau de la police, l'inspection générale, justement, qui est là pour les traitements au niveau administratif. Le question, bon, pour Gravine, effectivement, et nous. Et plusieurs bandits et qui étaient pratiquement grand et commissariat et nous étions en contact avec le responsable et la police, ça arrive au niveau technique, n'a pris disposition pour que nous soyons capables de récupérer l'espace là et n'a pas noté tout que nous avons quelques matériels que nous avons perdu au niveau commissariat. Matériel sur plus à votre parole. Et nous disons quelques matériels parce que plusieurs et vous connaissez que les situations arrivées, il faut que nous allions. Sous place pour que nous capables justement faire et une rapport logistique et concernant l'ensemble du bail qui là, mais selon les responsables de quelques matériels. Ça veut dire que jusqu'à présent, sous commissariat, est sous contrôle bandit. Et le commissariat, espace-temps, il est vide, et nous-mêmes, la prenons disposition pour que nous capables d'aller justement et récupérer. Par exemple, dans la situation, ça, il y a des situations qui demandent corps à corps. Mais lors où on a possible de livrer, les gens qui vivent dans une zone, ça, dans l'espace, je pense que la vie. Très très important et ça fait parfois signer des situations pour éviter des dommages au niveau de la population.
et nous obliger parfois tout faire ou faire. Mais au niveau de direction générale, disposition à prendre pour que nous soyons capables de prendre pourquoi il se passe à prendre. Est-ce que le commissaire Gassan a un policier? Si oui, combien? Alors, Jean Doulan m'a parlé avec le responsable. Bon, il est capable de dire, c'est sûr qu'il y a des policiers, mais le policier ne va pas encore non. Parce que si le commissariat est capable de gagner 17 ou 16 policiers, ou bien 10 policiers, mais si vous avez des groupes armés qui ont centaines, alors c'est certain que il n'y a pas de taille pour qu'il soit capable de faire corps à corps. Et pour que ça va renforcer. Comment? Pour que ça va renforcer effectivement. Et renforcement effectif là, et de toute façon, vous pouvez voir tout. Dans la prise en charge que vous allez prendre au niveau des commissariats, ce commissariat, pour que nous soyons capables de renforcer les policiers. Et parce qu'on est que la police est en train de un peu partout. Et il y a des côtés, il y a des zones, et même rapport au commissariat, il y a des côtés où il y a 3-4 policiers. Mais c'est le moment pour nous dire que nous, il y a une population qui est pacifique. Une population qui est toujours pour des collaborations avec la police, et dans les zones surtout au niveau provincial. Et également, on a sollicité ça, encore une fois, comme il a pu se faire, il peut faire encore plus au niveau des zones minoritaires. C'était trois questions que nous avons posées ici. Merci. 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 C'est un plaisir. Ok. Parole. Nous on va présenter nos policiers à tout le monde. Oh. On tape d'or.